Bonjour amis vierges, on va regarder pour vous quel est le tirage de l'oracle de Béline. Que va-t-il se passer pour vous au mois de novembre, puisque nous sommes déjà tout début novembre 2022? Quel est le tirage? Quel est le conseil de l'oracle pour vous, amis vierges, en novembre? Donc j'ai le bateau et la clé de la destinée. Bon, ce sont deux cartes qui indique que vous êtes normalement dans une période de décision. Après pas mal de réflexion, c'est une période aussi où peut-être quelque chose d'important auquel vous rêviez peut en tout cas se réaliser, ou en tout cas prendre une bonne tournure. On va voir le tirage, hein, parce que la coupe, elle colore le jeu, mais elle ne fait pas tout. Donc, Vierge, 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 novembre 2022. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer le tirage. De toute façon, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Voilà, donc en fait, c'est vrai que vous avez, on dirait que en novembre, vous allez être en paix dans vos associations, dans vos unions, dans vos amours. Donc, quelle que soit votre situation, je pense que ça parle ici d'amour, en fait. Donc, vous êtes bien parti tout début novembre. Et c'est vrai que vous allez sans doute réfléchir à nouveau aux choses que vous voulez réaliser, mais cette fois en commun, en couple ou avec votre nouveau partenaire, ou si vous êtes célibataire, eh bien vous allez prendre du recul et peut-être regarder d'un œil différent une personne que vous n'aviez pas vue jusqu'ici. Et qu'est-ce que cela va donner? Eh bien, cela va donner la passion. La passion, l'amour, l'amour fort. Donc, les couples vont vivre un regain de passion. Les célibataires peuvent faire une... Je dirais que c'est une rencontre, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a une révélation amoureuse, en tout cas, qui se produit au mois de novembre. Et dans tous les cas, eh bien, vous allez donc vous épanouir côté cœur. Donc, profitez de ce mois de novembre pleinement. À bientôt.